Je pense qu'on est plutôt bien. Je vous laisse admirer ça. Erreur et patato, on finit. C'est tout orange. Il y a même déjà les murs de la base. Et ces murs-là, ça a coûté cher. Très très cher. Très 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 cher. À que erreur 7, paraît-il. On me dit dans l'oreillette. Enfin, dans le chat plutôt. Oh là 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 là. Erreur a fait presque tous les murs. Moi, j'ai fait beaucoup du cassage. Enfin, j'ai un peu aidé les murs aussi. Or, m'a pas mal aidé pour le cassage. Je pense que c'est moi et Erreur qui avons fait l'immense majorité du truc. Mais merci à tous ceux qui nous ont aidés. Alors, l'étape d'après, ça va être de finir le cube central. Autant on se fiche un peu des étages qu'on est en train de faire. Il faudra juste faire le bloc de façon à ce qu'on puisse mettre les défenses. Partout, 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 partout là-dessous. Et une fois qu'on aura mis les défenses, je pense qu'on sera plutôt génial. On fera peut-être encore le toit, mais grosso modo, ce sera fini, hein. Ah, je peux mettre une double couche ici, comme ça fait. Hop. Grosso modo, on aura accompli notre mission colossale. 12 travaux d'Hercule. Finir la base. Il y a une sortie qui est fonctionnelle vers le portail du Nether et une sortie qui est fonctionnelle vers la sortie de la base. Pour l'instant, il n'y a pas de sécurité. Je pense que on va mettre des blocs. Bon, si là il y a une sécurité, c'est tout en opsi et on peut pas la descendre. Vérification. On peut pas la descendre. Ah! Pour l'instant, si on peut descendre comme ça, mais la question c'est est-ce que en nageant, ouais voilà, en nageant, on n'arrive pas à descendre. Là, j'alterne entre la coordonnée 18 et 19. Je peux essayer un moment, mais. Et je crois que si on va le long d'un mur, c'est pas mieux. 18, 19. Voilà, je peux faire des tours. J'ai rêvé ou Erreur est descendu? Non, il est monté. Bah, comment il fait pour descendre? What? Je peux pas faire ça, moi. C'est abusé! Oh mon dieu! Quand on shift, on peut descendre ses sources. Bon bah faudrait faire une sortie sécurisée quand tu auras le toit. Les amis, ça a pas mal avancé. Comme vous le voyez, on est déjà à la couche 29. Je pense qu'on va s'arrêter à la couche 30 pour le plafond. Il y a encore un étage dessous, il va y avoir la salle des coffres dessous, une machine à potions sûrement contre ce mur-là, il y a déjà un four auto là-dessous, les spawners qui sont pas encore placés parce que la défense n'est pas finie. Il nous faut encore 64 fois 64 sables des âmes, c'est-à-dire un peu plus d'un double coffre. Ça devrait le faire assez rapidement, il faut juste que j'aille en trouver dans le Nether, ça va changer un peu de miner l'opsy. Blablabla. Et on a fait un peu de PVP avec Fleu Guerrier. Enfin, Vleuve Xerrier, qui est espagnol et qui était en live précédemment. Que Patatogen a tué. Moi, j'ai pas osé le PVP parce que je commerce avec lui et que j'aime pas tuer les gens avec qui je commerce. Bon, je vous recontacte quand ça aura avancé. La bonne nouvelle, c'est que avec ce bloc-là, nous aurons, enfin j'aurai plus exactement, fini et que j'ai trouvé une meilleure méthode qui me permet de récupérer plein d'opsi. Donc on a récupéré à peu près un peu plus d'un coffre d'opsi en minant le sol, tout ayant été remplacé par la Soul Sand. D'ailleurs, on va se débarrasser de notre Soul Sand restante. On s'en servira probablement jamais. Je me rends compte qu'en fait ce mur d'obsidienne il est trop près parce que si jamais je mets des sources d'eau ici, hop, j'essaie bien de le placer directement. Ah, ça marche pas du tout. Bon, à ce niveau-là, elles vont couler sur le côté. Peut-être qu'il faut pas cliquer. Ouais, bon, comme ça, un cran plus haut. Vous avez compris, je vous fais pas un dessin. Ouais, c'est ça l'objectif. Très bien démontré. Merci madame la source d'eau. On va aller chercher un peu d'eau. On va. Non, on va d'abord virer le mur en fait.
On va virer un bout de mur. Et après, on ira chercher ce dont on a besoin. C'est-à-dire un deuxième seau d'eau, c'est tout. J'espère que la construction de la base vous aura plu. Je vous montre l'intérieur, qui était plutôt élaboré. On a des chambres, par exemple là-bas il y a la chambre de... Ah, j'ai pas Optifine sur cette version. NZ qui m'avait aidé à construire la base. Alors, on n'a pas encore fait sa chambre, il n'y a que moi et NZ qui ont fait notre chambre. En revanche, on a fait la plus grosse machine à potions du serveur. Je pense pouvoir dire ça sans raconter de bêtises. Oula. Ça a l'air d'être un coup de l'anti-cheat. Avec de l'eau. Un système de stockage de fioles d'eau. Un système de distribution des fioles d'eau qui va dans les entonnoirs. Et avec ce bouton et ce levier, on active le remplissage. Ou alors on désactive le remplissage et on envoie les potions finies grâce à ce bouton dans le sélecteur à potions qu'on a choisi. Donc c'est une machine à potions qui marche super bien toute seule, qui permet de faire un demi-stack d'items en potions. Et qui est vachement classe, je trouve. Malheureusement, il n'y a plus personne sur RTMC. Je fais table, je suis tout seul et c'est de plus en plus courant. Et c'est depuis qu'ils ont retiré la boussole. Et c'est depuis que les modérateurs n'ont pas voulu redonner son trident à erreur parce qu'ils l'avaient perdu. Par bug, évidemment. C'est depuis que Palladium a réouvert aussi. Du coup, il y a beaucoup moins de gens connectés. Du coup, nos ennemis s'ennuient. Du coup, ils sont plus connectés non plus. Du coup, il n'y a plus qu'une poignée de petits joueurs nouveaux qui sont connectés, mais ça suffit pas à faire vivre le serveur. Bon, vous n'hésitez pas à me dire quand même comment vous trouvez le design de la base. Je sais que beaucoup de nos alliés étaient déjà rentrés dedans, et j'espère vous revoir bientôt pour une autre série de semblables ou sur d'autres vidéos d'ailleurs. Je vais essayer de faire plus de découvertes de jeux qui m'ont l'air intéressantes aussi comme vidéo. Et on va terminer par un petit peu de PVP avec Marie-X. Bon, c'est pas le même niveau que l'épisode sur la guerre entre les factions, mais c'est quand même ça. Ok, alors c'est parti pour le rematch. J'ai pris beaucoup plus de potions qui vont permettre de tanker les dégâts. C'est parti. Ah, mauvaise touche. Oh, bien vu. Moi, je vais continuer à jouer beaucoup à l'arc parce qu'à l'épée je perds. Si elle me touche quand même. Ah, j'ai oublié les fioles. Speed. Elle a pris de la bouffe, donc elle va avoir beaucoup de vie pendant un instant. Enfin, de la régène si j'enlève de la vie plutôt. Elle a pris un arc, je pense que la première fois elle avait pris d'arc. Ah, parfois je touche pas. Parfois je comprends pas trop comment elle me rattrape. Normalement elle est pas censée pouvoir me rattraper.
Ah, j'ai oublié les popos d'XP. Si jamais je meurs à cause de l'armure, c'est bête. Je sais que j'en ai plein dans mon vault, donc je vais essayer d'y accéder. Excuse-moi Marie, je me cache parce que je veux réparer mon armure. Et me revoilà. Hop, touché. Bonne speed quand même. Elle m'a refait tomber. C'est mauvais pour moi. Belle série de flèches. Non, je ne dormais. Sais pas si c'est malin ce que je fais. C'est pas malin. On va sortir. Ah, voit plus, elle est là. Elle a plus de speed, vite. L'Underman, je l'ai enfermé, ça tombe bien. Elle est là-bas, on va tuer des creepers. Par les qui me tuent. M'a perdu de vue, je suis là-bas. Oh non, fichu Enderman. Elle a pas de speed là, ça aide pas pour me rattraper. Ouais, joli coup. J'imagine que c'est aussi frustrant pour elle de mettre un coup à l'arc et de rater complètement et de se faire enchaîner trois coups que quand ça m'arrive à la hache. Mais je pensais que j'étais très bon à la hache, il semblerait que Marix le soit plus encore. Hop, j'ai besoin de speed. Elle arrive. Elle prend la force, tenter de mettre plusieurs coups. Là, j'ai mis la masse de dégâts, c'est bien. Bien fait voler. Elle a gagné toute sa vie, malheureusement pour moi. C'est dur de viser quand j'ai cet effet. Ah, j'arrive plus à toucher, mon dieu. Voilà, on est full pot. Plus tellement de vie. Et moi j'ai plus de speed.
Elle me suit, mais très loin. On va continuer à claquer quelques popos. Je pense qu'on est bon. On va approcher par là. Oh, mis un sacré coup. Coup de lag. Moi j'ai pris la flèche quand même. Elle va peut-être tirer d'abord. Ah, gros. Parfait. Ouais, les dégâts ils sont améliorés uniquement quand on daze en fait. Donc c'est pas si puissant les trucs de l'arc. J'ai fait une vidéo sur les statistiques de l'arc et j'étais persuadé que c'était ça, mais en fait c'était pas ça. Donc là elle a de l'abso, donc on va lui laisser. On va la laisser dans son coin. Ah, je reprends le feu. Mais j'ai une autre popo. Jolie flèche. Marie. Hop. Jolie flèche de mon côté aussi. Parfois ça passe, parfois ça casse. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne vraiment? Armor. Ah. Ok, quatrième combat, c'est parti. J'ai un peu rajouté des potions de speed en me disant que ce serait utile. Bah moi, pot up, c'est ça, et puis voilà. Ah, je me débrouille mal. Mince, j'ai raté. Je sais juste pas comment faire autant de dégâts qu'elle. Ce qui m'embête beaucoup, mais. Hop, elle m'a fait voler, c'est pas mal. Je suis obligé de me battre à l'arc et quand j'arrive pas à mettre des flèches, c'est embêtant. Oh. GG. C'est trop dur de se battre à. Manque de la speed là. Heureusement que je le sens en direct. Hein. Y a un beau coup critique. Est-ce que c'est bien une HT5 que j'ai? Oui, je pense. C'est pas une bonne idée de regarder en combat. Parfois, elle s'arrête un peu avant que je m'y attende. Ça me perturbe. Ah, j'ai tout raté.
What? Comment elle me tape là? Elle est juste derrière moi. Wonderpearl, hop, un petit coup. Ah, j'ai plus de speed. Ah, comment c'est possible de rater ça? Hop. Voilà, on est tranquille un moment. Ah, sauf que j'ai besoin de ça, moi. Elle me suit. Parfois, je sais pas comment ça rate, hein. Hop, parfait. Elle m'a perdu de vue. Bon, elle me laisse récupérer par mon armure. Je sais pas trop. Oh, elle essaye de me... Aïe, de me faire sortir. Ça a marché. J'aimerais revenir dans l'arène. On va profiter pour mettre une petite flèche. J'aurais bien voulu mettre deux, mais... À chaque fois que je me retourne, en fait, elle esquive mes... Ah, mes coups. Hop, c'est parti. Ah, je me fais poutrer sur cette partie, hein. J'arrive plus à mettre mes flèches. Là, ça rebondit sur elle, rien que ça. Hop, j'ai glissé juste un petit coup critique. Ah, j'ai presque plus de popo. C'est mal parti. Oula, je crois que j'ai break. Ça a fait je croque.